Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Bruno Feidoussi parmi nous. Bonjour. Bonjour Bruno. Du coup, on va consacrer cette petite vidéo du vendredi à notre invité. Ça va ? Ça va. Ouais. Pas fatigué parce que vous n'êtes pas à Paris, donc il faut se lever tôt, prendre le train, tout ça, mais ça va. Ah oui, du coup, t'es venu en train, tu viens juste pour la journée. Voilà. Tu peux nous dire un petit peu pourquoi t'es venu ? Parce que moi, en l'occurrence, je faisais pas partie de tes rendez-vous de ce matin, donc moi-même, je sais pas exactement. Je suis venu pour parler de diamants, pour présenter quelques prototypes. Hein, qui est là. Tout de suite, je vais sans doute vous laisser. Je suis aussi, c'était pas attendu, mais Virginie m'a attrapé pour me parler d'autre chose et me demander de vous aider sur une adaptation d'un jeu. D'accord. Je sais pas si on a le droit d'en parler ou pas, donc j'en parle pas, mais voilà. D'accord, et ça t'intéresse ? Et ça m'intéresse, parce que je trouve que l'idée est marrante comme tout. Et voilà, donc on a parlé de diamants, des adaptations, des micro-changements que j'ai envie d'y faire. On a parlé un tout petit peu du roi des nains, même s'il n'y a plus besoin d'en parler, il marche tout seul. Ouais, sur... Et voilà. Merci Ludovic pour le téléphone. chez Yellow, du coup, avec nous, tu as édité deux jeux. Voilà, on a fait le tour, et puis même on a regardé si dans tous les gens que vous distribuiez, il y avait des choses à moi, mais non. Donc chez vous, j'ai uniquement, Diamant et le Roi des Nains. À plusieurs années d'intervalle, puisque le Roi des Nains, c'est... ça commence à ça c'est 5, 6 ans. 12, je dirais. Peut-être. C'est un des premiers jeux... Il va y avoir un copyright quelque part de dessus. Yellow. Ouais, je suis 2010. 2010. Ah d'accord, ouais. Carrément 2010. Et c'est un jeu qui, chez nous, a plutôt bien marché, continue de bien marcher. C'était le premier jeu dans cette petite gamme de jeux de cartes. Toi, c'est un jeu que tu avais... tu l'avais longtemps avant de nous proposer ou... Alors, je l'ai eu longtemps, mais je l'ai eu longtemps sous une forme beaucoup trop compliquée. D'accord. C'est-à-dire que j'étais parti de Tempête sur l'échiquier, je vais dire Tempête sur les jeux de prix, et donc dans les premières versions, toutes les cartes avaient des effets spéciaux. Et c'était n'importe quoi. Okay. Voilà. Et j'avais présenté ça à pas mal de gens qui m'avaient dit non, mais ça va pas la tête. Et puis un jour, j'ai dit bon, c'est qu'effectivement, trop c'est trop. Le jeu perdait tout intérêt. Donc je l'ai simplifié, j'ai gardé les, je sais plus, 12 ou 15. Effets spéciaux qui semblaient les plus marrants, et ça a donné quelque chose qui était beaucoup mieux. D'accord. Et à ce moment-là, vous devez être un des premiers à qui je l'ai montré sous cette nouvelle forme, et voilà. Et d'accord, et à l'époque, c'était même pas encore Gabriel, c'était Thibaut, je pense. Oui, je pense, ouais. Voir, hein. Oui. D'accord, ouais, oui, ça date un petit peu, et c'est vrai que ça a lancé un petit peu une gamme chez nous, parce que c'est le premier jeu de cette gamme, qui sont des jeux de cartes, classique, un peu revisité. Ouais. On a eu Piña Pirata derrière, on a eu Ghost, oui, Piña Pirata qui est un super Uno. Vous avez Niet qui est un autre jeu de prix revisité. C'est ça. Et du coup, c'était, c'était Ghost, le premier. C'est vrai. Et Ghost, il faut que vous en chipe un. Ah, okay. Voilà. Pensez. Voilà. Jeu de Richard Garfield, ouais. Et du coup, Diamant, lui, c'est beaucoup plus récent, parce que c'est cette année, mais c'est un jeu qui existait depuis longtemps. Diamant, c'est un vieux jeu, ça a été fait par Schmitt d'abord, je ne sais plus quand. Mais 2006. Il y a 10 ans entre les deux éditions. Ouais. Ouais, en fait, j'ai fait deux jeux avec Avan Moon, coup sur coup. Il y en a un dehors pour les braves, qui a disparu corps et bien. Il était bien, mais... il y avait une sorte de bug dans la première édition, c'est-à-dire qu'on confondait la face et le dos des cartes, ce qui est un peu gênant. Et du coup, il n'a jamais eu sa deuxième chance. C'était sans foi ni loi, non ? C'était pas ça ? Non, ça s'appelait Dehors pour les braves. Sans D'accord. foi ni loi, c'est Bruno Catala, c'est autre ah, chose. Oui, c'était très marrant. Ouais. Et voilà. Et puis Diamant, qui était sorti chez Schmitt, qui s'était très bien vendu, puis que Schmitt a arrêté, on n'a jamais compris pourquoi. Et voilà. Qui a failli tomber dans l'oubli, mais... Non, qui n'est pas tombé dans l'oubli. Il y a eu un autre éditeur qui l'a repris pour les États-Unis. C'est vrai, une Can Gold. Voilà, c'est une Can Gold, donc il fait États-Unis, je crois, Chine, Japon et Brésil. Il y a eu d'abord une version pirate au Brésil, ils avaient repris le jeu, c'était des sous-marins, enfin voilà, d'accord. Mais c'était le même jeu. Et puis finalement, on a négocié, ils ont fait comme s'ils ne savaient pas trop, ils s'étaient... Voilà, et voilà, et tout s'est arrangé. D'accord. Et donc maintenant, il y a un vrai Incan Gold au Brésil. Et donc, ils avaient les droits pour ces pays-là.
Mais on avait conservé avec Hagan les droits pour Europe, c'est-à-dire pour la zone où au départ Schmitt refaisait. Et donc Yellow a repris ce qui était l'ancienne version Schmitt, dont on n'a jamais compris pourquoi elle s'était arrêtée, parce que les ventes n'étaient pas mauvaises. Bah, et puis nous on s'en rend compte, c'est vrai que c'est un jeu qui n'a pas été disponible très longtemps en magasin, mais qui a quand même une certaine aura. Les gens, quand ils voient Diamant, il y a un côté un peu culte dans ce jeu qui au final n'avait pas eu une durée de vie si longue en boutique. Alors on a rajouté quelques petites choses par rapport à l'édition Schmitt. Ouais. C'est d'ailleurs ce dont on a discuté ce matin, puisque je dis qu'on aurait peut-être dû les mettre en règle optionnelle parce que ça complique un peu et que pour les petits enfants, etc. Donc on va peut-être changer un peu l'écriture des règles dans les prochaines versions. Mais c'est pareil sinon. Ça c'est avec Virginie que tu vois du coup. C'est avec Virginie qu'on voit tout ça. Et puis donc voilà, c'est Paul Mafaillon qui a fait les dessins qui sont superbes. C'est beaucoup plus joli que l'édition américaine. C'est plus joli que l'édition de Schmitt. Donc pour l'instant, dans les trois versions de Diamant, c'est la plus belle. Bon, ben merci. Voilà, bon, c'est très joli. Bon, il y a des petits trucs là, les petits coffres, ils ont tendance à partir un peu. Il faut mettre un petit point de colle pour que ça tienne. Mais voilà, c'est un petit détail. Les cartes sont mignonnes, les petits bonhommes sont mignons. Voilà. Du coup, tu as eu l'occasion de parler de cette version avec Alan. Est-ce que tu sais si lui est... Ah oui, Alan est très content. Ouais, il est très content. Alan est très content. Et je ne l'ai pas vu depuis très longtemps parce qu'il vient plutôt en Europe. Sa réunion d'auteurs à son gathering, donc plus ou moins en même temps que le mien, ou alors pas pendant mes vacances, puisque je fais le mien pendant mes vacances de Pâques. Donc ça fait un bail que je ne l'ai pas vu, mais on communique par mail régulièrement. Et voilà, non, il est très content, bah, c'est très joli. Parfait. C'est très joli, il y a plein de matos, un prix abordable, tout, voilà. Bon jeu de prise de risque. C'est ce qu'on a appelé autrefois un jeu de kitoudou, mais je ne sais pas pourquoi maintenant on s'est mis à appeler ça stop ou encore, ce que je trouve ridicule et moche. Je trouve que kitoudou, ça avait un côté vieillot beaucoup plus sympa. Et il y a une dizaine d'années, kitoudou est devenu stop ou encore. Je regrette un peu. Bon. Je le note pour mes futures fiches produits. Maintenant qu'on a parlé des jeux que tu as édités chez nous, est-ce que tu peux nous parler de jeux qui ne sont pas forcément de toi, mais chez Yellow, qui t'ont marqué ces derniers temps Alors, il y a un truc marrant, quand je suis rentré ici ce matin, je traîne, je regarde ce qu'il y a sur les étagères, je vois des photos de trucs, de machins, etc. Et j'ai vu... Tiens, ils sont là. Voilà. Là, c'est le Die Cat. Ah, il est là. Non, à droite, tu vois, il y a une pile de cartes avec un chat rouge. Ah oui, d'accord, je cherchais la boîte. Voilà. Les cartes sont là. Et puis j'ai vu des cartes et je me suis dit, ouh, tiens, j'ai déjà vu ça chez Antoine Beaux-Arts. C'est un jeu, ils se sont mis à 4 ou 5 auteurs. 5, pour faire un petit jeu de rien du tout, mais un petit jeu de rien du tout qui est génial. Donc j'avais testé ça chez Antoine et trouvé ça très drôle. Voilà. Donc je vois ça ici, je leur dis, ah, c'est vous qui allez faire ça? Eh ben oui, donc c'est Diego qui va faire ça. Et je vous garantis que c'est un super petit jeu que j'aurais aimé faire. Bon, eh ben, écoute, super, ça c'est voilà. Un peu de l'exclu, parce qu'on en a peut-être déjà parlé un petit peu, mais on commence à le faire tourner d'ailleurs, Kevin commence à le faire tourner un petit peu dans les différentes soirées où il peut se déplacer. C'est un jeu qui va sortir dans la gamme mini, la petite boîte, ça s'y prête tout à fait, et dont on aura l'occasion de vous reparler. Il est prévu, si je ne me trompe pas, pour SN ou peut-être pour l'été, en tout cas pour le deuxième semestre de 2017. Et ouais, on sera amené à vous en reparler, c'est sûr. Donc c'est marrant que tu... Ouais, et c'est tout à fait monstrueux. Ça aurait pu être un jeu de Bruno Feduti et je suis très content de voir qu'ils sont obligés de se mettre à 5 pour faire un jeu à ma manière. Voilà. Tu peux peut-être encore négocier pour rajouter un sixième nom sur la boîte. Il faudrait que je trouve une idée à rajouter, mais le jeu, il tourne déjà vraiment bien comme ça. Il est vraiment nickel. Et voilà, puis sinon je vois du Codenames partout, moi j'adore Codenames. Ouais, j'ai vu que tu... J'y joue avec des canards de bain, j'ai une collection de 150 canards de bain que j'avais acheté un jour par hasard sur un salon, il y avait un type qui vendait ça pas cher, et je me suis dit, un jour je vais faire un jeu avec, j'ai pas fait de jeu avec mes 150 canards de bain tous différents, mais ils sont parfaits pour jouer à Codenames. Codenames, Duck Names. Quoi. Voilà, Duck Names. On peut aussi jouer à Codenames avec des boîtes de jeux, avec des romans. Avec tout. Ouais, moi j'ai joué avec des DVD, effectivement, ça marche très bien. Et ben, pendant qu'on parle de Codenames, je voulais montrer une petite chose qu'on n'a pas encore montré dans la vidéo du vendredi. Oui. Sauf que celle-là, elle est moche, ça c'est l'édition tchèque. Ça c'est l'édition effectivement anglaise, tchèque, de Codenames Picture, qui arrive en français...
au premier trimestre de l'année prochaine, sans doute en février ou plus tard. Et elle sera plus jolie. À Cannes. Et mais bon, voilà. Dedans, c'est pareil, et dedans, c'est très bien, le jeu est génial. Exactement. Tiens, je vais pouvoir. Je pense que je préfère un tout petit peu la version avec les mots que la version avec les dessins. Je ne suis pas absolument fan des dessins qu'il y a dedans, mais ça renouvelle le jeu. Et puis les cartes carrées, c'est plus pratique pour plein de trucs, ça permet de jouer avec plein de choses. Ça permet peut-être de jouer à plus jeune un petit peu aussi. Oui, certainement. Et moi, c'est vrai que j'ai été assez partagé, je ne savais pas trop dire lequel je préférais. Mais force est de constater que depuis que j'ai le Codename Picture, je ne joue plus qu'à celui-là. Donc c'est peut-être qu'il est plus facile à sortir ou qu'il y a le aussi l'attrait de la nouveauté. Parce que le Codenames original, j'en avais fait plus d'une centaine de parties, donc ça renouvelle un petit peu. Écoute, Bruno, merci beaucoup. Eh bien, de rien. Hein? Et puis, nous dire le mot de la fin. Prochain, mais je ne serai pas là vendredi prochain. Bon, tant pis. Merci. De rien.